Bonjour à tous, c'est Jean. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo de Taxi Life Simulator. Après une mise à jour, on va refaire un petit tour dans la ville. Et attention, toi, priorité à droite. Alors, quelles sont les nouveautés? Eh bien, écoutez, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté une nouvelle voiture. Un petit peu plus grande. Et puis en plus, niveau de la gestion, on a deux employés, Noah et Monica, en fait, qui vont me permettre d'avoir un peu plus de finances. Donc on va les laisser travailler de leur côté. Et puis, bah, écoutez, moi, on va faire une petite course, hein, voir un petit peu ce qu'il en est. Comme je disais, nouvelle amélioration. Enfin, le jeu est un petit peu plus fluide. Enfin, plus fluide surtout. Comme vous pouvez le voir, également, les passants passent mieux, si je puis dire. Enfin, ils sont un peu moins teubés, si je puis dire. Voilà, ils font moins d'aller-retour comme ça, sans savoir où ils vont. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là, on peut voir qu'ici, on a des travaux routiers importants. J'ai de mon côté fait tous les points d'intérêt qui m'ont pris un petit peu de temps. Et puis, on va donc aller faire une course. Allez, on va aller chercher Richard. Allez, c'est parti. Oh, tant pis. Ah hein. Oh, bah ça commence bien. Voilà. Bon, ça fait quelques jours que j'ai pas joué, donc je suis un petit peu perdu dans les touches. Mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'en plus je suis à contresens, non? Alors, il est où notre... Oh, j'ai un peu roulé sur le trottoir. Regarde pas où tu traverses, toi. Hein. Non, c'est pas grave. Alors, petite nouveauté. En fait, en faisant L1, là, on a des petits raccourcis pour allumer les phares, etc. Ah non, là, j'ai coupé le moteur. Mais je roule en sens inverse, je fais n'importe quoi. Attendez, on va se mettre un petit peu comme ça, voilà. Allez, il est où modifier type de phare. Ah oui, régulateur, voilà. On a le régulateur tranquillement. Attention, là on a un radar. Bon, il faudrait peut-être que j'aille laver la voiture hein, quand même parce que on irait faire ça après la course.
Hey there, here. Alors, où est-ce que vous voulez aller, monsieur? Bon, en espérant qu'on va pas tomber en panne, hein. Là, par contre, on est limité. On est limité à 30, donc on va mettre le régulateur tranquillement. On a une course de 2 km. Par contre, on est déjà en réserve. J'espère que ça va pas nous poser problème. Peut-être un petit peu accéléré. On est à 2 km. Émission moyenne, on est pas mal. Ils sont trois en fait. C'est un peu beaucoup. J'espère que vous allez tous payer la course, hein, parce que je suis pas riche, hein. 2525 euros au niveau budget. I'm so grateful for Ah. Tugsies. My legs are extremely sore. Alors, heureux que ces taxis existent, je tiens à peine sur mes jambes. Sur mes jambes. Bon, ouais. Sounds like you Fais un had a peu good workout d'exercice, hein. day. I did. I went for a long walk through the city. Oui, bah t'as fait des promenades. Allez, comment ça That's va? great. How do you feel now? Tired, but energized. I feel like I accomplished something Allez, today. avance, toi. Oh là 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 là, c'est pas possible. Ceux qui se traînent comme ça là. T'as les gens qui savent pas rouler, ça m'exaspère. Allez, un petit peu, on va accélérer un petit peu là parce que voilà, on met le régulateur, on est bien. Bon, faut que je fasse attention à ma réserve. On en est où? On est pas mal. On va rouler un petit peu comme ça. Bon, j'espère que le client va pas être mécontent de sa course. Comment il s'appelle? Richard. Comment il va, Richard? Richard, il n'est pas très causant. Hein. Bon, écoutez, on va faire avec. On est à 70. On peut rouler à 70. Attention le feu. On va pas griller le feu quand même. Allez, encore 600 mètres. Oh là 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 là, c'est quoi ce... J'aurais peut-être appelé la police là. Parce que bon, j'espère qu'il n'y a pas de blessés. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'en occuper. Un peu dur le ralentisseur là. Mais bon, on est tranquille.
on visite. Enfin, on visite. Non, moi je travaille. Allez, on accélère un petit peu parce que bon, c'est bien gentil, mais on a autre chose à faire que de ramener José là. Goodbye. Ouais, salut. Ouais. Alors, combien tu vas me payer parce que. Alors, ça va, tu donnes un petit peu de pourboire quand même. Il y a une autre mission proche, 350 euros. On va l'accepter. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu d'essence. Par contre, je ne sais pas où on est, mais où en sont mes collègues là. Parce que je crois qu'il y en a une des deux là. Enfin, elle a l'air un petit peu feignante. Allez, accélère là, parce que j'ai pas que ça à faire, moi. Je travaille. Hein. Je voulais doubler, mais. C'est un peu risqué. Alors, Amelia Novak. Bon, désolé hein, si le c'est un petit peu monotone, mais la musique elle est pas trop acceptée en ce moment, donc on va rouler sans musique hein. On va profiter du paysage, du soleil. Allez, on va se garer gentiment. Hi. Hey, salut, comment tu vas, Amelia? Alors comment allez-vous? Allez. Oui, comment allez-vous? Parce que bon, pas très causant, mais on va faire la discussion tout seul, hein, si c'est ça. On va éteindre les phares là. Voilà. Par contre, j'aimerais bien pouvoir acheter un nouveau véhicule dans les jours à venir, parce que. Je commence un petit peu à me traîner avec avec celui-ci et il y a quelques passagers qui aimeraient que je puisse rouler avec une voiture électrique. Et doucement le dodane, parce qu'en ce moment j'ai mal au dos. Donc, il faudrait peut-être que je sois un petit peu plus souple sur ma conduite. J'ai beau m'être fait opérer du dos là en ce moment, c'est pas tip top. Alors, bon, on va accélérer un petit peu hein, parce que là on se traîne. Bon, je sais pas où est-ce qu'elle veut que je l'emmène là, parce que. On n'est pas dans les bas-fonds, mais c'est un ah non, c'est un sens interdit. Désolé pour celui qui était derrière.
pied là dans cette petite rue, hein, toujours obligé de rouler à 30, là on va accélérer un petit peu parce que sinon on n'est pas arrivé. On ralentit pas, hein, on y va. Bon, Amélia, elle n'est pas très causante. Faire la discussion, la conversation tout seul, c'est pas terrible. Parce que, bon, si c'est comme ça, je préfère rouler tout seul. Attention à la panne sèche. Oh. Et où là? Oh là 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 là. Ça me rentre dedans. Ils ont. Personne vérifie rien. Aïe, si j'éteins le moteur. Oh là là, l'autre il a pilé là. Allez, on accélère un peu, on peut aller à 70 là, parce que, comme je disais, c'est mou. Oh, j'aurais bien coupé là. Mais bon, je peux pas. Ce détour, bon, c'est pas grave, de toute façon ça me fait gagner de l'argent, hein. Plus le trajet est long, mieux c'est. Bon, les rues sont quand même assez exiguës, hein. Faut mieux pas avoir un 4x4. Puis après, on va retourner un peu au garage là parce que pas trop d'essence, la voiture est sale. On va voir s'il n'y a pas quelques réparations à faire. J'ai peur de tomber en panne. Bon, on n'est pas loin de la panne sèche. Hein. Voilà, Madame Amélia, on arrive à destination. J'espère que le trajet vous aura plu. Hein. C'était un peu long. Ouais, salut. À la prochaine. Ouais, conduite en contresens, collision. Bon. Alors, on va aller se rendre au garage. Tenez. On y va directement. Puis là c'est moi. Là c'est. J'ai pas de course à faire. Pousse-toi, toi. Oh là 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 là. Oui. C'est dingue ça. Ça regarde pas quand ça traverse. Ah non, si on accélère avec le frein à main, ça va pas être terrible pour la voiture. Oh, je vais tomber en panne sèche. Super. Donc, bah écoutez,
On va se faire un petit dépannage. Hein. Bon, 160, 160 euros. Voilà, ça a remis un petit peu d'essence. Oh là là, les gens qui lambinent au volant là, c'est dingue. Allez, accélère. Attention, le feu du carrefour est peut poser problème. On va rouler tranquillement. Oh, puis il faut que je fasse un détour là. Bon, au moins, il n'y a pas de travaux sur l'avenue, il n'y a pas d'accident. Parce que des fois, c'est le bordel, hein. Attention. Oh là là. Attention au feu où on se croirait sur les Champs-Élysées, là il y a trop de monde. Ouais, je sais pas ce que fait la ville là, mais tous les feux clignotants, c'est dangereux comme tout. On arrive bientôt au garage. On est arrivé. Alors, oui, bah 2 secondes, je me gare. Oh. Alors, on va faire le plein. Déjà, on va regarder. On va faire une réparation intégrale. Hein. Ensuite, la gestion. Donc, on a un point de compétence qu'on va rajouter. Vous voyez, donc j'ai bien amélioré. Hein. Là, hygiène, entretien, respect de la loi. On va prendre ça. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il en est? Lui, il roule de 3h du matin à 11h. OK? Et elle roule de 9h à 7h du soir. Bon, au niveau des finances. On en est où? Bon, pour l'instant, pas terrible, hein. On a 2 employés, 3 véhicules, 2 700 euros. Je peux pas acheter de véhicule pour le moment, hein. On a ces 2, 3 véhicules qui sont affectés. Ou il faudrait que peut-être que. Je peux peut-être. Est-ce que je peux? Alors, je peux pas la, je peux la vendre, mais ça ne m'intéresse pas. Bon, pour le moment, on va laisser comme ça. Hein. Et je ne peux entretenir que mon véhicule. Ok. Quelle heure il est? Il est 18h. 18h, donc. Bah, lui, il a fini. Il a fini. Et elle, elle a bientôt terminé. Il y a un truc que. Attendez, je vais voir un truc là parce que. Affecté.
Je vais l'affecter de plutôt zone résidentielle de 18 h. Voilà. Il y a juste une chose qui m'interpelle, c'est qu'affecter, voilà, affecter au véhicule libre. Bah oui, mais bon. Je peux pas. Licencié. Non. Bon, bah écoutez, on va laisser comme ça, hein. On va refaire une course. Tiens, on va aller voir Julia. Mais pousse-toi, toi. Oh là 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 là. Alors, où est Madame Julia? Ah voilà, elle est là. On va pas griller le feu quand même, pas écraser les passants. Puis en plus, il faut que je monte sur le trottoir. Je vais abîmer les amortisseurs. Bizarre ça. Julia ressemble vachement à mon employé. Oh là 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 là. Puis lui là, pourquoi il met sa terrasse sur la. Et voilà. Super. Constat. Bon, pas le temps. Hein. On verra avec. L'assurance de mon entreprise. Parce que le travail avant tout. Là, il n'y a pas de policier. On va rouler un petit peu rapidement. Mais je pense que Madame Julia, là, elle va pas trop aimer ma conduite parce que je roule un peu. Je suis un peu sec. Puis bon, en même temps, j'ai pas envie de me traîner, hein. C'est bon, j'ai envie de rentrer chez moi là. Et toi, là, tu regardes pas où tu vas, toi. Oh là là, c'est dingue ça. Allez, roule. On grille le feu. Hein. Elle a rien vu. Hop.
Tu dis rien. Ah, vous êtes deux en plus. D'accord. Vous parlez pas, vous dites rien, non. Ah, je me suis trompé de fil. Bon, c'est pas grave, on coupe, il n'y a personne derrière. Allez, on y va. En plus, là, on peut rouler un peu. Bon, vous allez où, messieurs, dames, là? À l'opéra? Non? En boîte? T'as ces gens qui parlent pas, là. Je suis là, toujours à faire la discussion tout seul, j'ai l'impression d'être schizophrène. Puis eux, là, voilà, tiens, ils me disent rien. J'ai une mouche sur le pare-brise. Hey, mais je sais plus. J'ai changé de voiture et je sais plus où est ma. Où sont mes essuie-glaces là. Tiens, là. Oh, ah voilà. Bon, je pense qu'après, je vais reprendre ma voiture d'origine. Et puis, je vais donner cette voiture à mon autre conducteur, là, parce que je sais pas ce qu'il fout, mais j'ai l'impression qu'il travaille pas, en fait. Donc, vous, vous dites toujours rien, non, vous vous en foutez. Puis ce feu là qui est long, qui est long. Oh là 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 là. Oui, lui. Bon. Mais dépêchez-vous là, moi je suis pressé, je travaille là. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est? Non, toi, laisse-moi passer à gauche là. Tiens. Ah. Can you please drive more responsibly? Mon chauffeur, quoi? Vous pouvez conduire plus quoi? Doucement? Oui, bah, oh. Par contre, tiens, si en fait je viens de voir que mon chauffeur a terminé. Bon, il m'a quand même rapporté. Plus de 1000 euros, c'est très bien. Donc en fin de compte, je vais le garder. Alors, je grille le feu. On n'a rien vu. Allez, hop. On y va. Bon, moi, ça aurait été une bonne journée. J'ai fait un petit billet de 1000 grâce à mon chauffeur. C'est pas une journée de perdu. Oula, non, 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 on va pas rouler sur la piste cyclable quand même. Allez, on va pouvoir rentrer. Oh, mais doucement. Qu'est-ce...
qu'est-ce que c'est que c'est. Oh, j'en ai marre de cette ville-là. Bye. Ouais, salut. Ouais. Oh, quelle journée. Quoi, feu rouge grillé, infraction limite de vitesse, collision mineure. Ouais. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même pris un petit billet de 500 balles. On va aller se poser là, dans un endroit tranquille. Tiens. Voilà. Et on va faire... On va regarder un petit peu. Ah donc c'est elle qui a bossé, mais lui en fait il n'est pas affecté. Ce qu'on va faire, on va le retirer. Et puis on va changer de véhicule. Oh, je peux pas changer de véhicule comme ça. Si je fais affecté. Si je le raffecte, il est 19h. Zone touristique. Bon, y a un truc que je ne comprends pas. Bon, écoutez, on va voir si lui il bosse ou pas. Je verrai ça de mon côté. Dans tous les cas. J'espère que ça vous aura plu et puis on fera peut-être prochaine course ultérieurement dans cette superbe ville. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!